A sua experiência com a diferença de classe de vida tem um lugar muito particular que, para mim, parece que está no meio, né? Você não está nem ali, nem cá. É um lugar que me lembra, inclusive, a questão da tradução de línguas, mas acho que, nesse caso, de linguagens, de signos culturais. Um jeito de comer, um jeito de se vestir, um jeito de se pensar, tudo como forma de conquistar um espaço de pertencimento. A cultura, então, me parece como um forte marcador dessa diferença, como você estava comentando. Então, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre essa cultura também como um marcador de violência, não só a opressão, né, do seu pai, dessa coisa do machismo, mas também a cultura. Quando você tem acesso a ela, isso também te causa esse lugar como uma violência. Oui, la culture, pour moi, ça a été deux choses. La culture, ça a été l'émancipation et la libération. Parce que la culture, c'est la première fois, quand j'ai lu des livres, quand j'ai vu des films, c'est la première fois que j'ai trouvé d'autres langages que l'injure ou que l'insulte pour parler de moi-même, pour parler de mon corps, pour parler de ce que j'étais, pour parler de mon désir. Dans mon enfance, le seul mot qu'on connaissait pour dire ce que j'étais, c'était l'injure, c'était sale pédé, c'était sale pédale. Et tout à coup, quand j'ai découvert la culture, quand j'ai découvert Proust, quand j'ai découvert Pedro Almodovar, quand j'ai découvert Gus Van Sant, quand j'ai découvert Simone de Beauvoir, je me suis rendu compte qu'il existait un autre langage pour parler de moi, qui n'était pas un langage de l'injure, mais qui était un langage qui me disait que j'avais le droit d'exister, qu'il y avait d'autres gens comme moi qui avaient existé, qu'il y avait d'autres gens comme moi qui avaient désiré de la même manière que moi, qu'il y avait d'autres gens qui avaient dû s'enfuir. Et donc la culture, elle a évidemment représenté la fuite, une fuite totale. Mais en même temps, la culture, et ça pour moi c'est très important de le dire, c'était aussi le lieu de la violence. La culture, c'était l'écart entre la classe dominante et la classe dominée. Je me souviens que quand j'étais enfant, quand ma mère voyait un livre, quand elle voyait un grand journal culturel comme Le Monde ou Libération, quand elle voyait un roman que je ramenais de l'école, parce qu'on étudiait Émile Zola ou Victor Hugo à l'école, ma mère se sentait agressée. Parce que quand elle voyait un livre, le livre était comme le symbole de la vie à laquelle elle n'aurait jamais accès. La vie de ceux qui ont le temps de lire, qui ont le privilège de lire, qui ont les compétences pour lire. Parce que lire, c'est difficile. Lire Toni Morrison, William Faulkner, Claude Simon, c'est difficile. Et je me souviens que quand j'avais un livre à la maison, ma mère me disait « Tu te crois mieux que nous ?» Tu crois que tu es meilleur que nous, parce qu'elle se sentait agressée terriblement. C'était comme un marqueur absolu de la différence. Alors que bizarrement, l'argent était moins violent, bizarrement. Quand on voyait la maison kitsch dorée de Donald Trump, ma mère rêvait. Elle se disait j'aimerais avoir ça un jour. J'aimerais avoir quelque chose comme ça. Évidemment, ce rêve, c'était une aliénation. C'était ce que le capitalisme lui faisait croire qu'il fallait vouloir. Mais au moins, elle rêvait. Alors que quand elle voyait un livre, le livre était un verdict définitif qui lui disait « Tu ne fais pas partie de ce monde. Tu ne feras jamais partie de ce monde des gens qui parlent bien parce qu'ils lisent des livres, qui parlent doucement parce qu'ils lisent des livres, qui savent bien se tenir parce qu'ils ont appris à s'asseoir au théâtre, à l'opéra. » Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le monde littéraire, quand j'ai commencé à écrire des livres, j'entendais partout autour de moi une sorte d'idéologie de la bourgeoisie sur la littérature, qui disait toujours « la littérature, ça réunit les individus, ça construit des ponts, ça nous ouvre l'esprit ». Moi, la littérature n'avait rien fait pour ma mère. La littérature avait humilié ma mère. La littérature avait humilié mon père. Leur avait fait comprendre qu'ils n'étaient pas légitimes. Ce qui fait que quand j'ai commencé à écrire, j'avais encore une fois cette espèce de double position et de double opposition, d'être avec la littérature mais d'être contre la littérature, de ne pas oublier que la littérature, elle nous avait aussi produit de la violence sur nous. Si. Et je pense qu'un des meilleurs, moyens de rendre hommage à la littérature, c'est aussi d'avoir cette distance avec elle, de la critiquer, de ne pas la prendre pour